Eh bien bonjour à tous et à toutes, c'est Frigiel, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 3 de notre aventure sur 3D Dog Game Heroes. J'espère que vous allez bien, donc nous sommes toujours dans la petite auberge de Wardna, voilà, l'auberge de Wardna, donc un très joli petit coin où se reposer, où s'abreuver également, hein. Et on peut également y manger une très très bonne nourriture, donc cuisinée par la chère Wardna, bref, voilà. Donc, bon, en fait, ça servait un petit peu à rien, cette auberge, à part qu'on a acheté des bougies dedans, et donc les bougies, ça va nous servir dans le prochain temple, donc le temple de la forêt. Et d'ailleurs, on va devoir traverser cette fameuse forêt, donc la forêt de non-retour. Donc sûrement peut-être la forêt des bois perdus cette fois-ci, on va voir ça. Wouah, ça c'est de la télévision. Alors... Ah oui, d'accord, donc c'est... Ah, bah voilà, là on va pouvoir utiliser notre nouveau sort. Waouh, alors ça a l'air vachement compliqué. Ah si, d'accord, on a le chemin à suivre, ok. Alors, tout droit, à droite, tout droit. À gauche, en bas, à gauche. Ok, c'est l'heure de sortir un petit papier. Comme mon bon vieux temps. Hop, non mais... Vous vous rendez compte à quoi on est réduit de fer. Alors hop, ensuite, hop, ensuite, hop. Là je suis en train d'écrire, donc c'est pour ça que je ne fais plus rien. Ensuite, hop, ensuite, on descend, ensuite, on retourne à gauche. Et ensuite, on n'a plus qu'à monter. Parfait. Donc, let's go, c'est parti, on va suivre un petit peu ce que j'ai écrit sur ce petit papier, je suis en train de mourir. Mon dieu, c'est incroyable. C'est pas grave, on n'a rien entendu. Hop, alors, on va par là, on va par... Ouf, il a failli me toucher cette arme. Par là, ensuite, on monte... Ok, là il s'est passé un truc bizarre, donc ensuite normalement on va à gauche, on va encore une fois à gauche, ensuite on va en bas, hop, j'aime bien la musique dans cette zone, ensuite on retourne à gauche, oh, regardez, le temple est là-haut, oh, un vieux pépé encore, bonjour. Alors, un humain et une fée ici. Que faites-vous sur place? Qu'est-ce qui vous amène sur place? On est là pour rentrer dans le temple de la forêt. Oui, wouhou. Mais non, il y a plein de monstres dedans, n'y allez pas. Mais si, on veut y aller. On veut sauver le royaume. Vous êtes le prince de Dotano? Mais oui, c'est moi. Je connaissais, d'accord, une fille de Dotano. Bref, le gars nous raconte sa vie. Ok, c'est le sage de la forêt. Bah, pourquoi il est pas dans son temple, lui? Normalement, je suis dans le temple. Ah bah tiens. Mais les monstres m'ont foutu dehors. Si j'étais plus jeune, j'aurais pu les combattre en gros. Ok, donc ils ont volé son orbe. Donc il va se reposer, on va rentrer dans le temple. Et on va aller tuer le boss, donc il nous dit qu'il y a un boss, hein, ça se confirme. Donc on lui ramènera l'orbe, il lui redonnera toute sa magie. Eh bien, let's go, c'est parti. Encore une fois, ça ressemble pas trop à un temple de forêt, ça. Bon, on va voir, on verra bien à l'intérieur. Ah, il nous ressort des salles un peu carrées. Ouais, c'est vraiment comme les vieux Zelda, où là, tous les temples sont carrés. Alors... Ok... Elle va appuyer sur le bouton... Mais ça a pas ouvert la porte. Bah, c'est facile, en fait. Donc, elle va pouvoir nous aider à partir de maintenant à appuyer sur les interrupteurs, peut-être. Je sais pas, en tout cas, on va essayer de pousser les statues dessus. Voilà, comme ceci, on peut les plus simples, hein, pour débuter. Ouais, elle va devoir nous aider à appuyer sur les interrupteurs. Hop, comme ceci. Et on a bien sûr aussi la possibilité d'aller sur la salle à droite. Allez, bouge, petite statue. Hop, on va y aller juste après. Bah alors, la fée. Elle a plus l'air motivée pour nous aider, tiens. Bon, tant pis. On va aller voir ici. Ok. On a encore une fois une grande tablette. On va révéler son pouvoir. Ah, d'accord. Faut mettre les statues, donc les deux en bas à gauche. Ah, ok. C'est noté. C'est quoi ça? Ah, mais c'est un gars. Attendez, j'ai rêvé ou... Pas de réponse.
Alors, je sais pas ce que ça veut dire le mot mer, mais en gros, je pense que ça veut dire que le développeur a oublié de lui donner vie, en gros. Et il y a une note sur le mur. J'ai pas bien compris. Ouais, je suis pas assez doué. Il y a peut-être 2-3 choses du coup que je rate dans le jeu, vu que je suis pas très doué en anglais. Bref, on va mettre les deux petites statues. Alors, comme ceci. Comme ceci. Là, faut pas trop pousser, sinon on pourra plus la bouger. Voilà. Une ici. Celle-ci, on va la descendre. Ah, c'est pas pratique, hein. Souvent, là, vous voyez ça, mon personnage ne veut pas la pousser. Allez, pousse-la! Mon dieu. C'est un peu bizarre. Ok, c'est bon, ça passe. On dirait des dessins, je sais pas trop ce que c'est, ce statut, ça ressemble à rien. Ouais, c'est ouvert. Je pensais qu'il fallait appuyer sur tous les interrupteurs, finalement non, pas du tout. Ok, donc là c'est le moment où on sort les bougies. Ok, hop. Wouah, c'est classe. J'aime bien cet effet de lumière, avec les ombres dynamiques aussi en même temps. Finalement ça servait à rien, ici c'est éclairé. Wouah, on a fait laguer le jeu parce qu'on a tué trop de monstres en même temps. C'est bizarre ça. On est sur PlayStation 3 quand même. Oula, 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 oula. Ok, donc là on n'a pas la clé. Hop. J'avais oublié que j'avais pas le bon pouvoir sur moi. Voilà, le pouvoir du boomerang. Hop. Parfait. L'épée améliorée. Et là-dedans on doit trouver la clé qui nous manquait. Ok. Tout est bon. Tiens, c'est bizarre, on a perdu un peu de magie. Oh, et regardez ici, il y a un trou dans le mur. Faudrait qu'on ait une bombe à poser dessus. On va peut-être obtenir les bombes dans ce donjon, donc faudra penser à revenir à... Oh là là, chercher... On peut pas ramasser la flèche? Si, on peut la ramasser. Chercher le trou dans cette zone. J'arrive pas à le toucher, dis donc, celui-là. Oh là là, je suis pas... Mon dieu. Bon, je voulais tester l'arc un petit peu, c'est pas trop mon arme de prédilection dans ce jeu, on dirait. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Ok. Mon dieu, quoi. Il y a des pièges dans tous les sens. Il nous faudrait un petit peu de vie, là. Je suis légèrement dans le besoin de vie. Il me faut des pommes. 5 fruits et légumes par jour, s'il vous plaît. Ok, allez, une petite pomme. Non, une bougie. Oui, bon, une pomme, c'est pas mal. Ok, une autre pomme. Ouais, ça fait lag le jeu dès qu'il y a plein de cubes. C'est vachement mal optimisé comme jeu. Hop. Wouah, il y avait 100 pièces d'or. Mais on est riche. Ok, parfait. Alors, ici, à quoi? Maître, l'étage... le sol de l'étage est de différentes couleurs. Oui, tiens, c'est vrai, ça. Il y a peut-être un secret lié à ça. Ouh, coup critique dans la face. Oh non. Genre, à peine regagne ma vie que je la perds directement. Ah, parfait. Mais non, ça remonte notre magie, d'accord. Je pensais que ça donnait 2 points de vie, mais en fait, pas du tout. L'honnêteté, c'est l'équilibre. Bon, on va tenter de mettre les... Pourquoi j'arrive pas à la bouger, celle-ci? Les statues sur les interrupteurs? Bizarre, je peux en bouger qu'une. Attendez, celle-ci. Ah, celle-là, je peux aussi la bouger. Non. Oui, j'ai résolu une énigme. Ah bah non. Oui, j'ai résolu une énigme. Ah bah non. Mais comment on fait? Qu'est-ce qu'il faut faire? Je comprends rien. Mais bougez-vous, bande de statues. Elles sont figées en plus maintenant, ces petites coquines là. Comment
je suis censé faire. Allez, reste ouvert. Ouais, il y a un truc que je dois pas piger là. C'est bizarre parce qu'on nous avait dit que le sol avait un... avait une utilité. Je ne sais pas ce que je dois faire. Je vais pas quand même me retrouver bloqué comme ça. Ah, ok. D'accord, donc il faut qu'on ressorte. Ouais, bah voilà, c'est pour ça que j'arrivais pas. Donc on va retenter. Je me disais bien qu'il nous avait donné de la magie, c'était pas pour rien. Tout d'un coup, il nous offre de la magie. Donc en fait, voilà, il faut, mettre les statues, mais sur les bons interrupteurs. Et je pensais pas que les statues ne pourraient plus bouger une fois qu'on les avait posées sur l'interrupteur. Du coup, regardez, là par exemple, la porte doit s'ouvrir. Sauf qu'il faut qu'on mette la deuxième statue dessus pour qu'elle reste ouverte. C'était ça, donc voilà, ça explique un petit peu à quoi sert cet objet qu'on nous avait donné aussi. Parce que à part lire des pancartes, je voyais pas trop l'utilité de cet objet. Bah, ça permet aussi de révéler certaines énigmes. Hop, il nous refaut ça. J'avais prédit qu'il allait nous tomber dessus, mais bon, ça a pas suffi. Non. Ah, si. Ah, c'est peut-être que les blocs avec une croix au-dessus d'eux qui peuvent bouger. Voyons voir. Ah, c'est ça. Bon bah là, on est bloqué. Ah non. Ok, en tout cas, j'ai pas du tout réussi à récupérer le coffre. On va retenter l'énigme, je me suis totalement raté, donc maintenant on sait quels blocs on peut bouger et lesquels on ne peut pas bouger. Donc déjà je serais plus tenté de faire ça. Voilà. Une carte du temple. Ah bah maintenant qu'on sait quels blocs on peut bouger, c'est sûr que c'est tout de suite plus simple ces petites énigmes. Hop. Oh là là, il a réussi à me toucher. J'ai plus qu'une vie. On a failli mourir, c'est pas grave, on a rien vu. Ils sont assez efficaces ces petites chauves-souris là. Non, non. Non. Ah bah si, attendez. On va s'en servir pour appuyer sur l'interrupteur. Ah, on peut pas bouger plus celui-là. Celui-là, oui. Voilà. Oui, parfait. On a eu 10 pièces d'or en bonus. Alors là, je suis en train un petit peu de me perdre dans le donjon. Oh non, encore ces machins qui tirent de la magie, là. Alors, un peu plus attention. Donc là c'est fermé. On va aller voir par là. Ouais, je suis totalement perdu. Encore une fois, un endroit où mettre une bombe. C'est pas le premier qu'on voit, sauf qu'on a toujours pas de bombe. Ah, à la limite, faut peut-être essayer de tuer les ennemis. On va voir si ça nous permet de récupérer les bombes. Ce serait dommage de passer à côté. Ah, c'est tout de suite plus simple avec ce petit bonus là. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu notre grande épée. Eh bien non, ça ne permet pas de faire apparaître les bombes, donc faudra qu'on pense à revenir ici. Donc c'est la deuxième zone avec un trou dans le mur. Il faudra qu'on pense à y repasser. Hop, donc là on est esquivé, petit machin bidule. Voilà, donc j'ai pas la clé. Ouais, donc il faudra qu'on revienne ici plus tard. Au moins on sait à quoi s'attendre maintenant. On est allé un petit peu trop vite. C'est pas bien grave, retour en arrière. Hop. Oh, la crotte. Ok, bim. Parfait, là il y a des trucs qui frappent, mais voilà, faut passer vite, c'est bon. Ah voilà, les bombes doivent être cachées là-dedans. Ok. Est-ce qu'on peut casser les pots avec le boomerang? Ouais, on peut. Et on peut aussi récupérer la nourriture et les objets à distance. D'accord. Ça marche pas. Ah
Ah, si, quand même. Ok, on a une clé. Bon. Bah du coup, on va pouvoir retourner là-haut. Encore! Ok, on l'a foutu un coup critique, le petit scorpion. Je sais pas sur quoi se base les coups critiques, si c'est une probabilité avec notre épée ou avec notre... Bah non, il n'y a pas de niveau dans le jeu, mais... Ça doit être un truc de l'épée, une des caractéristiques de l'épée. Donc là, on n'a même pas besoin d'éclairer. Voilà. Et ici, oula, ça se complique un peu. C'est vraiment pas l'arc qu'il faut utiliser sur cela. Hein. Alors. Encore une fois, je vais éclairer à pousser les statues. Voilà, et de 1, de 2. Oui, j'ai vu certains aussi qui me disaient que le jeu graphiquement leur faisait un peu plus penser à Cube World qu'à Minecraft. C'est vrai que c'est ouais, c'est un peu plus ressemblant à Cube World, ce petit côté avec plein de petits cubes. C'est vrai que ça m'y a pas fait penser tout de suite, mais en effet. Ça y ressemble pas mal. Encore une espèce de truc qui sert à rien là. Pas de réponse. C'est une pancarte en pierre. Ah mais c'est ça ces fameuses pancartes à découvrir. Oh là. Je pensais pas qu'il allait me toucher celui-là. Ah ça y est, on a débloqué les bombes. Ok, utiliser les bombes comme arme sur les ennemis pour exploser les ennemis. Ou lorsque vous voyez quelque chose de suspect. Mais oui, mais j'ai vu plein de choses de suspect. Mais... Là, on va tout faire péter. Il y a quoi là-haut? Ok, donc ça, c'est la salle du boss. On va créer un machin. Il me semble que donc au niveau de l'entrée, on avait vu une fissure. On va aller la chercher. C'est pratique, hein, ce petit téléporteur. Non, c'était la salle du dessus. Alors, dans le doute, hein, on va pas mettre les bombes en raccourci, ce serait dommage de gaspiller leur utilisation. Voilà, alors c'était à droite encore. On évite un peu les ennemis. Encore à droite. Aïe. Voilà, c'était là. Oh là là, mon dieu. Faut que je pense à donner un petit peu plus d'effet à l'épée. Il donne rarement des points de vie, hein, les squelettes. Voilà, on pose la bombe, on va voir ce que ça fait. Ok, bon, l'effet d'explosion n'a pas l'air très grand. Ah, je me suis fait toucher comme un novice. Hop, parfait, parfait. Ok. Des bombes en plus. Et un petit bloc. Alors le truc c'est qu'on peut pas aller ici. Ah mais d'accord, donc dans chaque donjon il y aura des salles qu'on ne peut pas fouiller. Donc c'est la deuxième porte rouge qu'on croise. À retenir hein. Ah mince, on peut pas sortir si on n'a pas tué les ennemis ici. Bim. Bim. Et bim, parfait. Donc voilà, faudra qu'on retienne la localisation de ces portes rouges. Je vous en demande beaucoup dans cette Let's Play, mais c'est vrai que il faut noter les moindres détails, j'ai l'impression. Depuis le début, ça fait plusieurs fois qu'ils nous demandent ça. Qu'ils nous demandent de retenir certaines choses, donc que ce soit les labyrinthes ou des trucs comme ça. Mais j'aime bien. Il n'y a pas que de l'action, faut aussi réfléchir un petit peu. Hein. C'est voilà, un jeu pour les gens un petit peu intelligents. Donc c'est parfait, c'est pile mon type de jeu. Bon, ça va, je me lance des fleurs, je vais arrêter quand même. Bon. On va encore essayer de continuer quelques minutes dans le donjon et ensuite on s'arrêtera. On va pas non plus faire tout le donjon en une seule vidéo. Donc là, faut aller de l'autre côté. On va pas s'arrêter au milieu si on va se faire attaquer. Voilà. Et au fond, fallait faire péter une petite bombe. Oh, parfait, on obtient une bombe bonus là. Encore une. Donc, oui, il y a un truc de suspect, sans blague. Je crois que j'avais pas remarqué. Non, mais en fait, elle est comme Navy. Hein. Elle intervient à n'importe quel moment pour nous embêter. Et non pas. J'ai l'employé une. Expression un peu plus vulgaire, mais bon. Retenons nos mots tout de même. Elle essaie de nous aider, la pauvre. C'est vrai que du coup, elle nous ralentit, mais bon. Ça part d'une bonne intention. Hop, hop, parfait. Et voilà, et donc là-dedans, la clé du boss. C'est tout à fait banal. Alors, j'ai dû rater une porte quelque part. Ah oui, en bas à gauche. Donc là-bas, on aura la clé du boss d'ailleurs. On va aller chercher ça. Donc on a vu que sur la carte, là, il y a cette fameuse salle rouge, là, qui est bloquée. Enfin, porte rouge.
donc on ne peut pas l'ouvrir, cette fameuse porte, faudra revenir plus tard. C'est peut-être un moyen de rallonger la durée de vie du jeu. Je ne sais pas, on aura l'occasion de voir ça un peu plus tard dans l'aventure. Donc là, il faut qu'on descende encore d'une case. Oh non. Lâchez-moi. Ah. J'ai envie de la tuer, voilà, parce que sinon elle va nous énerver. Et cette porte, là, on va l'ouvrir et donc derrière on aura la salle avec la clé du boss. Ouh, il y a beaucoup de choses ici. Hop. Voilà, voilà. Bim. Parfait, on l'étourdit. Alors, comment on va faire pour récupérer ça? Très franchement, je ne sais pas vraiment. On va tenter comme ça. Allez, pousse. Pousse. Il veut pas. D'accord, bon, on va faire autrement. Il faut qu'on ressorte et qu'on rentre. On va tenter de pousser celui-là. Ah, là ça marche. Celui-là non plus, on peut pas le pousser. Celui-là on peut. Et voilà, parfait. Yeah. Bon, on s'en est plutôt bien sorti. Donc on va pouvoir se laisser donc devant la salle du boss. Donc j'espère que l'épisode d'aujourd'hui vous aura plu. Donc si vous avez quelques petits conseils ou quelques anecdotes à faire par rapport peut-être au dialogue en anglais que j'aurais un petit peu mal compris, eh bien n'hésitez pas à laisser donc tout ça dans les commentaires. J'irai voir ça dès que j'en aurai l'occasion. Là je pense que je vais tourner l'épisode suivant quand même d'affilée. Vu que je suis à fond, là je suis bien dans le jeu et j'ai envie de me faire le boss. Mais pour vous il va donc falloir attendre demain. Donc j'espère tout de même que la vidéo aujourd'hui vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à laisser un pouce vert. Donc eh bien à demain pour la suite de cette aventure. Allez, ciao tout le monde.